Yo les gens, ici Rafi à 7250, on se retrouve pour mon 38e épisode sans Final Fantasy XV dans mes contrats de chasse. Donc c'est parti, donc on va prendre la quête suivante que je vous avais parlé à ma vidéo précédente. Vous mangez quelque chose ? Donc contrat de chasse, on va prendre celle de nuit, comme ça je gagne une journée. Donc c'est celle-là, donc quête de nuit, il faut tuer Cryobombo. Donc Cryobombo, c'est-à-dire que ils vont être sûrement... Je pense qu'ils vont être faibles à la glace parce que c'est des cryobombos. Donc c'est parti. Donc on va prendre la quête, il va me demander si je veux être la nuit. Donc là il me donnait un méga elixir et 3380 giles. Donc voulez-vous attendre la nuit? Bah oui, ça tombe bien. Comme ça je gagne du temps, je vais pouvoir faire deux quêtes dans la même journée. Ça m'évite d'aller dormir. Faites attention. Donc peut-être prendre un petit repas pour donner plus de chance à notre victoire. Qu'est-ce que vous souhaitez boire? Donc qu'est-ce qu'il prend? Donc plus d'attaque plus forte, 150 attaques, mais récupération de PV plus 100%. Peut-être prendre ça comme ça, peut-être que Ignis il a peut-être jamais appris. On sait jamais. Ça arrive de suite. On peut pas savoir, hein. Peut-être que Ignis il a jamais appris cette recette là. Bon, oh, ça ressemble un peu à un tiramisu. Soupe de... Ah non, c'est une soupe de pommes de terre et du pain. Bah, le pain il est un peu bizarre. On croirait, je sais pas, du pain sec. Donc qu'est-ce qu'il a appris? Ah non, il a déjà appris cette quête-là. Merci d'être passé. Pas cette quête-là, mais cette nourriture-là. Donc c'est parti, donc on va aller à la quête. Est-ce que c'est loin d'ici? Quête. Ah oui, donc je suis coulant, on va prendre, je pense qu'on va prendre la voiture. J'ai vu la distance qu'il y a à parcourir. Je pense qu'on va gagner le temps à prendre la voiture. Donc alors que je vous parle, je sais même pas si le premier DLC est sorti. Parce qu'il devait y avoir des DLC sur Final Fantasy XV. Et je sais même pas s'ils sont sortis. Je sais qu'il y en avait un qui sortait en février, mais je me rappelle plus quand. On va prendre la voiture, donc en espérant qu'ils veulent bien me conduire en automatique. Quête. Je pense que oui, normalement, ouais, c'est bon. Avant, dans la nuit, ils voulaient pas conduire en automatique. Mais depuis qu'on allait... J'avais fait une quête pour avoir des nouvelles couleurs de phares, et du coup... Les phares empêchent les ennemis de vous attaquer la nuit. Donc en fait, les phares repoussent les ennemis. Comme ça, on peut se balader librement la nuit. Qu'avant, on était un peu limité. On pouvait pas. Ah, j'ai encore pas mal de quêtes à vous faire, hein. Franchement, je sais pas, ça va me durer plusieurs semaines même encore. Waouh, toutes ces lumières, on va pouvoir dormir tranquille. Ah, c'est ici en plus. C'est le meilleur moyen de garder les démons. Ah ouais, d'accord, c'est où il y a, si je me trompe pas, par là il y a la route où il y a le gros serpent. Donc je sais pas si je l'ai gardé le mode actif, je vais arriver quand même, attendez. Réglage, mode de combat, stratégie, ok. Donc on va descendre. Je pense qu'il y a un truc pour descendre ici. Ouais, c'est juste en bas en plus là. Ça peut être pas mal, on y va, let's go. Donc en plus ils sont faibles à la... Par contre je vais essayer de faire ça, attendez, je vais faire ça pour gagner du temps, hop. Noctis, lame. Alors attendez, il me semble qu'il avait un truc de glace. Voilà. Épée de glace. Donc, je vais quand même voir avant. Lance de glace. Lance de glace. Ah, ça me dit quelque chose. Lance de glace. Ah, c'est sûrement... Ah bah non, c'est peut-être par là qu'il y a le serpent. Ah non, c'est sûrement ici qu'il y a le serpent. Ah, c'est ça. C'est cet endroit-là que je vous ai montré qu'il y avait le serpent. Peut-être que je vais vous faire la vidéo... Je vais peut-être faire la vidéo à la suite. Peut-être. Pas à la suite de celle-là, mais... Et si tu te couvrais un peu plus? Ah bah voilà, vous voyez, tout à l'heure, il a dit oui. Ils sont où, les ennemis, là? Ils sont pas là. En plus, on voit rien. Bah, le serpent, déjà, il est pas là. Normalement, le serpent, il est ici, normalement, à cette zone-là, là. Donc, voyons leur faiblesse. Oh, putain, ça va être long. Donc, ce sont bien faibles à la glace, mais ma lance de glace pour aller plus vite. Pas plus vite, mais... Ah, peut-être pas. Ah non, ils vont peut-être être faibles au feu. Peut-être. C'est une bêtise.
Ah donc voilà, elles sont faibles au feu. C'est pas la glace, je suis complètement planté. Donc équipé, Noctis, je mets du feu. Donc je sais pas si c'est une magie forte que j'ai en feu. Ouais, 129, c'est pas terrible. Mais c'est déjà mieux que rien, je veux dire. Ah oui, quand même. Oh, j'ai heureusement esquivé celui-là. En plus, il y a les... Oui, voilà, c'est les petits. Hop. Ignis. Donc là, il va me donner de la... Il va me montrer leur faiblesse. Vous voyez, le feu. Ouah, putain, je suis... Je tape 99, quoi. 999. Ouah, wow, putain, c'était pas très fort. Ah oui, c'était pas très fort. Bah, niveau 22, c'est pas terrible, franchement. Oh, c'est quoi, ça? Ah, c'est le serpent, il est là. Oh, j'ai pas l'affronter, parce que je préfère l'affronter dans une vidéo spéciale. On va faire vraiment un épisode spécial avec le serpent. Je sais pas quand je vais le faire. Je vais peut-être aller le faire prochainement, peut-être. Bon, elle est où, la route, là? Ah, je pense que j'y suis là. Voilà, c'est bon, on va retourner à la voiture. Je pense que je vais vous le faire prochainement. Je pense que parce que bah, y a une personne qui m'a dit ah, ça serait bien que tu le fasses, tout. Mais vous inquiétez pas, je pense à vos demandes. J'aime bien écouter mes abonnés, franchement. Hop, la voiture. Bon, ce que je vais faire, je pense que je vais faire encore quelques vidéos là. Parce que je l'ai levé de 7h, je vais pas tarder à manger. Je pense que je vais finir les deux épisodes qui me restent à faire. Et on va faire des courses. Bonne idée. Ah oui, c'est vrai, il y a des trucs. Ah, c'est ça, j'aurais pu faire ça, attendez. Conduite automatique. Conduite automatique, oui. Quête. Quête. Congélateur de Calanten. Ok. Donc c'est à côté du... Ah oui, c'est à côté qu'il y a le donjon. Donc je pense que je vais faire la vidéo de jeudi, vendredi, et après je vais faire ma vidéo du serpent. Je pense que... Je vais peut-être même vous la publier ce soir. Peut-être que je vais vous la publier ce soir, la vidéo, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. Ah, ce soir, là, cette vidéo-là, elle arrivera mercredi, mais alors que je vous parle, on est dimanche soir. Là, je préfère vous en parler parce qu'après, vous allez être perdu dans ce que je vous dis. En fait, comme je vous fais la vidéo, les vidéos d'avance, je fais plusieurs épisodes à la suite. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais vous faire l'épisode de chasse de ce contrat-là spécial ce soir. Comme ça, elle sera là ce soir sur ma chaîne. Si ça me laisse le temps de manger, après, je pourrais passer à un autre jeu. Comme ça, vendredi soir, je pourrais refaire mes contrats de chasse, mes autres contrats de chasse. Donc, juste avant de partir, je voulais voir un truc. Je suis en train de fondre. D'accord, tout à l'heure, ils ont dit ils ont froid, un coup, ils ont chaud. Donc, je voulais voir juste un truc avant de vous rendre la quête. Parce que je sais que... Attendez. Alors, je sais pas si ça coûte cher. Mais je sais qu'il y a le vendeur là-bas qui travaille à la pompe à service. Là. Pompe à essence, voilà. Là, c'est son service. Il vend des choses pour la voiture, pour améliorer la voiture. Donc, je sais pas si vous avez acheté. Hop. Que puis-je faire ? Salut. Donc, il vend des trucs pour la voiture. Donc, vous voyez, compensateur de propulsion. Donc, ça coûte 6000. Donc cet appareil propulsé à l'air de l'avant pour diminuer la résistance de l'air, réduisant ainsi considérablement la consommation d'essence. Donc je vais peut-être l'acheter. Par contre après je pense qu'il faut aller voir Cindy pour qu'elle l'installe. Réservoir auxiliaire, un réservoir d'essence supplémentaire qui permet au voyage plus long sans faire le plein. Ok, je vais acheter ça. C'est tout je crois, y a que ça. Autocollant à l'art de la couleur niveau avancé. Traiter la couleur de niveau avancé permet de... Ah ouais, c'est pas mal ça. Autocollant chevalier.
cavalier. Un autocollant logo cavalier fabricant de pneus, il s'agit d'un produit officiel de la compagnie. Bon, on a fait un peu d'emplette et en plus, comme je gagnais un peu d'argent en faisant mes quêtes là, bon, au pire c'est pas méchant. Donc pour ceux qui avaient vu ma vidéo découverte de Final Fantasy XV, où c'était mon live, non, c'était une vidéo découverte je crois. Et vous avez vu au début du jeu, on pousse la voiture et en fait, mon frère avait testé, il jouait à Final Fantasy XV aussi. Il avait testé, on peut réellement tomber en panne et après il faut pousser la voiture. Donc si vous êtes à plusieurs kilomètres de la station d'essence, donc ça peut être un peu chiant. Donc va rendre ma quête, c'est parti, hop. Donc je gagnais pas grand chose normalement dans cette quête là. Et voilà, chasse terminée. Donc ça va, j'ai regagné un peu de temps, d'argent je veux dire. Donc en plus mon niveau monte, donc c'est nickel. Je pense qu'en finissant ces contrats là, je peux être en 5. Ça pourra me débloquer quelques quêtes. Merci d'être passé. Donc voilà, cette nouvelle épisode est terminée. Donc moi je vous dis prochaine pour prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Partez-vous bien.